Bonjour à tous et à toutes, c'est MeoGame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de The Walking Dead, je crois, si je me trompe pas. Normalement c'est ça. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait donné les pilules au vieux. Sauf que le vieux nous a mis un stop, en fait, il nous a laissé dans le magasin. Et on a dû se débrouiller avec Clem tranquillement mais sûrement. Et du coup, avec tous les autres, après on est reparti et on s'est retrouvé dans un nouvel endroit, le motel, pour entre guillemets se réfugier et être en sécurité, même si ce n'est pas trop le cas à mon avis. Il peut y avoir encore des merdes avec les zombies. En tout cas, on va aller voir je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui tire. How you doing, Carly? Carly, ok. I'm okay, you know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. Et j'ai une petite surprise pour vous. I know it's stupid. Enfin, pas là. Vous allez avoir une surprise. Enfin, on va dire ça. Attendez. Wow. Tout ira bien. On va la rassurer un peu. Pour le 10ème épisode de The Walking Dead, ah putain, j'allais le dire, je suis con. Je vais vous faire une surprise pour moi. Je vous en dis pas plus. J'espère que ça va vous faire plaisir plutôt, voilà. We both needed you. Comment j'ai choisi? You picked me. Oula, ouais. Je vous ai tous les deux, je ne l'ai pas fait, je pensais que tu avais besoin d'aide. Voilà. I was gonna help you both. On va toujours dire ça. Sinon on va faire du favoritisme, yeah, ça j'ai pas envie. I just wish we both moi je voulais les sauver it, tous you know? Les deux. Me too. Ok. Mon dieu, oh, je vais aller voir Clem, surtout Clem, en vitesse. Le plus important pour moi, c'est d'aller voir Clem et Ducky. Duck. C'est ce con là. Oh putain, mais des patates hein. Hey Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. Oh ma peau, putain, elle a tellement souffert. Non, c'est pas ça. C'est... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Oh non. One hit the other one. Oh merde. Alors, oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. Eh mais c'est vrai, ça sans technologie ça va être la merde. Vien est parti avec l'autre. Parce que je vous rappelle qu'il est parti, il nous a laissé. Il allait sauver ses amis à Atlanta. It's gone. Maybe we can find you another. Oh putain, faut que je la rassure la petite. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Oh non. Pas lui. Let me go deal with this. Pas lui. Oh man. Oh je lui en mettrai. Eh je vais le niquer. What do you want? You like my daughter? She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you. Ah, il commence. Oh là 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 là. That's right. I know who oh, you are, taper. And I know you are killing. And you go near my daughter or step on a line once. Ah mais. So will ah, j'ai être méchant, mais vivement qui crève. I know oh who you are. And I don't give a shit about ah, tu what happens embrouille. To you. Ah, tu cherches un bruit, happens to my ah, ouais, or that little girl you've got with you. You watch your ass. Pas le mec. Hein. Moi aussi je peux mettre des droites, fais gaffe hein. Hey, Lee, do you have a second? Ah, okay. C'est sa fille. Comme par hasard après. My dad would be dead if it weren't for you. Ah, enfin quelqu'un qui dit merci. Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Ouais. On a la chance de m'avoir. Sans moi tout ça, me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, okay, and stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Attends, l'armée, vous êtes sûr qu'il y a l'armée ici? We got beds, we got water, and most importantly, we got light. De l'eau, lumière. The worst place is to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. D'accord. Très bien. Ok. Ah bah oui mais... Ah ouais mais là il y a une merde là. To be continued. À suivre les amis. La prochaine fois sur The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out.
I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Oh. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Voilà. C'est un peu forte là. Oh putain. No more, please. No more, please. Please, please. Non, 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 non. Épisode 2. Privé d'aide. Oh putain. Ça promet. Ou ça promet la suite. Bon, on va continuer, hein. Ça fait que 6 minutes de vidéo. Non, non. Ah, ok, on a des statistiques. L'honnêteté, mentir à Herschel, vous et 63% des joueurs a dit la vérité. Bah normal. Qui sauverais-tu, Duck ou Shaun? Vous et 49 des joueurs a choisi. Ouais, donc ça fait 50-50, donc a priori on est dans le truc. Soraya Kenny, vous et 48 des personnes ont défendu Kenny. Ok. Ça va, hein, toujours. Pitié, pistolet donné à Irene. Vous et 50% des joueurs a refusé. C'est normal, on n'allait pas lui. Lui sait se faire tuer même si elle s'est tuée elle-même. Qui sauverais-tu, Doug ou Carly? Et là, bah, à l'unanimité, on a sauvé Carly. Ok, bah, on va continuer. C'est parti pour l'épisode 2. Alors, voilà, donc ça c'est la fin. Je vais passer si je peux, non? Oui, bah voilà, c'est ce qu'on appelle un fail, les amis. Ok, non, toujours pas. Ok, bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce que... Ah oui, bah tiens, je vais faire un petit topo sur l'épisode 1. Qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, on commence tout doucement, on avait commencé tout doucement. On a vu, on a commencé dans une voiture de police, on s'est pété la jambe. Ensuite, on a rencontré Clem. Sa babysitter est morte par des zombies. Après on a rencontré les deux zigotos qui nous ont amené à leur ferme. Malheureusement on est parti de la ferme parce que on a dû faire un choix qui n'a pas plu proprio Herschel. Ensuite on est reparti avec tout le groupe et du coup on est allé à Macon au drugstore. Le vieux nous a fait une attaque, on a dû prendre des clés, on en a découvert un peu plus sur Lee, qui est bien passé putain de qui est bien passé de merde, hein, on va pas se mentir. Sa femme a couché avec quelqu'un qu'il connaissait, donc, bref, voilà. Et ensuite, on s'est retrouvé au motel. Et au motel, on va voir ce qui va se passer pour le deuxième saison entre guillemets, épisode 2. J'espère que ça va se finir bientôt là, parce que je ne sais plus quoi dire. Ah si, j'ai envie de vous dire quelque chose là. Ah, j'ai envie de vous dire quelque chose. Bah, je sais pas si je peux. Ouais, dans 3 jours, c'est un an de la chaîne. Donc ça risque d'être bien. Et je vous réserve un très bon jeu, si vous voulez mon avis, pour le 5 décembre. Ou le 4, je sais plus. Ouais, 5 décembre, si, c'est ça. Bon, on va continuer, voilà. Hop, jouer. Partie 2, oui. Pourquoi? Voilà. Et voilà. Privé d'aide. Épisode 2. On y va. C'est parti. Chargement. Tranquillement, mais sûrement. C'est parfait. I know who you are. I got another good one for you. Voilà. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug. You got it, boss. Son of a bitch.
Ouais. Oh non, mais ce moment-là, j'avais envie de le frapper, les amis. Voilà, ça s'est fait. Et du coup, le truc s'est fait. Oh my god. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Putain, il me menace en plus, l'enfoiré. Oh là là, c'est lui qui devrait faire attention. Ce jeu s'adapte à votre choix. L'histoire a évolué en fonction de votre jeu. C'est ce que je vous ai dit en tout début du let's play. Pas besoin de réexpliquer. Et c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais les graphismes sur ce jeu... Bon, c'est une patte graphique très spéciale, mais ça change et ça fait du bien aux yeux. C'est très coloré, ça fait un peu dessin animé. Et j'aime beaucoup. Oula, 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 oula. Oula. Où ça commence bien? Bah attendez, c'est un zombie ça? Bah allez, on va le tuer. Ouais, c'est ça. Bon appétit. J'aime bien dire ça. Ah, il mange un lièvre. Damn it. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. C'est qui lui? I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Donc apparemment, ouais, on a des nouveaux. Bon, très bien. Yeah, except ça va remplacer Doug et l'autre là, comment il s'appelle? I have no regrets. Bah le père de Doug. Comment il s'appelle? I'd take it. We're all hungry. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Donc ouais, essayer de chercher de la bouffe parce qu'ils sont en gros problème de bouffe. Et yeah, comme dit Mark, you're right. I wish I knew for sure how much food il voulait prendre, il a pris la ration de nourriture de Carly et il faudrait que tu demandes lui. He'll have to ask Lily. She's the one handling the rations. Et elle a failli lui casser la gueule. He's just worried about his kid getting enough. Donc sans problème de bouffe. Clementine too. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time. Mais attendez, c'est lui qu'on a vu dans le trailer entre guillemets. Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Bon, en tout cas dans la merde. Qui s'est foutu dans la merde. Kenny ne nous abandonnera pas, il s'en sortira mieux avant nous. Kenny won't abandon us. Ouais, Kenny nous abandonnera pas, c'est un mec bien. I guess we'll see. Can't blame him though. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. Ouais. Hein? Oula. C'est un vieux connard de raciste, j'en ai aucune idée. Et ce que ça, c'est... He's just an old racist asshole. That's his deal. Voilà, well, je veux dire, cache là, and start finding ce a vieux... way to pull his weight. Ce our problems con, are là, not, we should all be out here trying to find food. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. Mais mec, un tas de muscles, mais une balle dans la tête, je crois que les muscles vont l'avoir arrêté la balle. Non, je crois pas. Hein? Bon. Arrêtons de parler de lui. Et occupons-nous sur... Non, pas manger un corbeau, vous êtes pas sérieux. Ah non, mais il y a... Mais si. Ah, j'en mange pas, moi, c'est mort. Hein. Tiens, ça ne vaut pas le coup de faire du bruit. Ouais. Don't. Ouais, bah oui. Shadow bring walkers. When birds not worth it. Yeah, I know. I'm just really freaking hungry. Ah ouais, non mais. Shit, was that Kenny? I don't know. Come on. Ah, c'était Kenny? Non. Cours. C'est qui? Wow, c'est chaud. Cours Forest. Qui c'est qui s'est fait attraper comme ça? À gauche. Oh shit. Ah non, je crois pas. Ah, un petit jaours. Jesus Christ. Oh shit. No. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off, goddammit, get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Who raided your camp? I don't know, guys with guns! D'accord. Please, we won't bother you, I swear!
Lee, this is fucked up. We've gotta help him. Please. Ben, shut up. Oh putain. Oh le choix. Je sens le choix venir. Les aider eux ou les laisser par terre ou autre chose. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. Ah, c'est vrai, il était mordu. Was he bitten? Bitten? No, I swear. Ouais, ouais. Non, hurry, je sens mal. Please, hurry. Pas de zombies. Oh mon dieu. This trap's been altered. There's no release latch. Il n'y a pas de levier pour le... Putain, merde. Oh non. Ah bah oui. Oh, en plus, il est pas seul. Oh putain. Walkers, it's now or never, Lee. Please. Oh non. Get me out of this. Ah non, s'il vous plaît, pas de choix. Ok. Kenny, keep those walkers off of me. On va faire ça. Really bad. Just get me out. Do something. Come on, do something. We're gonna be surrounded any minute. Please. Je vais couper les amis. C'est dégueulasse. Try to cut the chain. Oh God. I'm gonna have to cut you out. No, no, no. Try the trap. Ah non, 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 non. Anything, je peux pas. Please. Oh non, putain. Let's go. Let's go. Ah mais non, mais ah je peux pas. Je suis obligé. Ah, oui. Aïe, aïe, aïe. Lee, it has to be now. Désolé. Il faut qu'on se dépêche, les rôdeurs. Je suis désolé. Les enfants, regardez pas ça. Oh là 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 là. Ah c'est dégueulasse. Ah il s'est évanoui. He passed out. Il s'est évanoui. Mais dépêchez-vous. Ah ça va. Grab him and let's go. Ok, go. Behind you! Travis! Come on, come on, we gotta move! Oh, le con. Oh, mais évidemment... Non, mais... Non, mais... Dégage! Mais non, mais... Oh, bah, il est mort, il est mort. Allez, hop, ça se fait. Les amis, durant cet épisode, il y a eu un mort et un blessé. Super! C'est nickel. It's good. Ok. Retour au motel, épisode de Privé d'aide. L'autre est en train de travailler, fais gaffe, tu vas avoir une attaque. Là j'ai plus de... Oh putain la pauvre. Elle s'emmerde, lui, il a l'air de s'emmerder aussi, elle aussi. En fait ils ont tous faim quoi, ils sont dépités. Regarde ton papa qui t'aime. Regarde-le. Ah. Du coup, on va ramener celui qui est blessé. Et ils vont dire, ah, mais non, faut pas. Nan, nan, nan. Quoi. Oh, je sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Come on! Come oh on! Oh my god! I mean, what happened? Oh god! What's going on? I don't have time to explain! Lee, are you okay? Get him into the truck. Elle parle pas tous en même temps, là. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here! What are you thinking? Elle va pas les laisser, elle est malade. Calm down for a fucking hey, minute? What's no, your mouth? I don't! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. Ouais, you left the other one behind. Other one? Jesus, Lee. What if there are more of them? What if they followed you here? There wasn't anybody else. Just us. How do you know he's not lying? Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose une semaine de nourriture, c'est chaud quand même. Ah ouais. No. Fine, you guys fight it out then. Et ils sont combien au total? Vous savez quoi? Faudrait les compter un jour. Faudrait qu'on se compte. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know,
You like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Oh, putain, ça part en Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. En fait, Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. Tout le monde nous casse la figure. Enfin, I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Oh là là. Dad, please. Ouais, je disais que la fille, elle a le même tempérament que son père. La même gueule aussi. Au passage. Putain, lui, il m'a saoulé. Toi, tu m'as saoulé. Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. Nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. Oh non. Do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Ok, donc là je vais devoir décider qui c'est qui, enfin à qui donner. Du coup, on va les compter dans le prochain épisode pour savoir à qui on va donner. On a 10... Ah bah voilà, c'est bon. Ouais, ils nous le disent, hein. Pas besoin de compter. 10 personnes à famille pour combien de nourriture? Oh la vache. Oh là, tout le monde regarde. Oh non, c'est horrible. Ne me regardez pas. Oh putain, tout le monde regarde. Oh la vache. Alors déjà, priorité aux enfants. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Priorité aux enfants. Du coup, on va leur donner la nourriture dans le prochain épisode. Et on va voir ce qui va se passer. Je sens qu'il va y avoir des tensions de malade. Parce que en jour d'apocalypse, la nourriture, c'est une denrée rare. Et ça peut chauffer les esprits. Du coup, on va se retrouver pour le prochain épisode, les amis. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et commenter et la partager la vidéo. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme je vous l'ai dit, la surprise arrivera dans quelques jours. Donc soyez au rendez-vous sur la chaîne. Moi je vous laisse sur cet épisode qui a été riche en bagarre et riche en émotions. Donc là c'est le deuxième épisode. Enfin deuxième saison. Moi je vais appeler ça une saison, voilà. Une deuxième saison. Donc moi je vous laisse. Prenez soin de vous les amis. Bye tout le monde. Ciao.